Salut tout le monde, bienvenue dans cette partie contre Shadow 20330. Ouverture du pion roi pour changer un peu. Ah, une défense Philidor. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc là, moi j'ai appris de reprendre avec la dame, à ensuite clouer ce cavalier. Après, probablement jouer ça. Donc là, est-ce que je prends ou est-ce que je replie ma dame? Bonnes options là. On peut clouer ou là on peut avancer le pion. Je pense que ça aurait été mieux de clouer parce que là je vais juste le déroquer, je me lasse rien. Ok là. Ah, j'ai pas fait le bon choix. Ça marche ça? L'idée c'est que s'il me prend la dame, je reprends et j'ai gagné un cavalier au passage. Et que moi je texte sa dame en même temps. Il n'a pas peur. Faut que je fasse attention à ça aussi, mais bon. C'est là que je vais arrêter de pas avoir roqué, voilà. Parce que si je bloque comme ça, il va pouvoir m'embêter. Ah non. Pas tout de suite. Peut-être jouer ça, il va pouvoir. Ok, on va voir ce qui se passe. Ça pourrait être rigolo quand même. Il n'y a pas d'incrément donc... pas que je réfléchisse trop longtemps non plus. Alors donc là j'avais plusieurs idées possibles. La première c'est de jouer ça. Parce qu'en fait je défends plusieurs fois. Et je menace aussi d'aller là. Peut-être qu'il devrait juste jouer ça pour m'empêcher d'aller sur F5. Ça m'empêcherait aussi de venir là. Ah, donc il le fait, mais de cette façon-là. Alors si je veux, ça me laisse le temps de roquer. Et si je viens là, il est à peu près obligé d'échanger, je pense. Tac, tac. Et là, ça va pas. Ah bah si. Ah non, lui il est plus là. Dans ce que je viens de dire. Bon, si je fais échec maintenant, je pense que ça sert pas à grand chose.
Donc, éventuellement, je peux roquer, parce qu'en plus, il menace. Il aurait pu le faire au coup d'avant, d'ailleurs, venir là. Mais c'est un peu risqué. Bon, je peux venir là pour mieux protéger, éventuellement. Là, je pense que c'est plus simple de roquer. J'ai un petit problème maintenant. Mais je peux le prendre ce pion? C'est une bonne question. Tac tac. Après je peux faire échec. Je pense que de toute façon je vais perdre une pièce puisque je sais qu'ils jouent ça et qu'après ils prennent. Ok, il a pas envie de prendre mon cavalier gratuit. Il fait une menace de mat. Mais est-ce qu'il a pensé que je pouvais revenir là ou même là? En tout cas, si je fais échec maintenant, il vient là. Ou même là. Et après, je peux venir là. Donc, je peux le faire tout de suite. Je vais le faire tout de suite quand même et je vais garder la menace de venir là. Et si jamais la dame s'en va. Ouais, bof. J'ai plutôt avancé mon pion H. Essayer d'attaquer ce fou. Mon cavalier, si je joue H5, si je joue H5, je peux pas prendre du cavalier tout de suite en tout cas. Ok, encore moins maintenant. Si je joue ça, je donne les deux tours contre la dame et mon cavalier se retrouve ici et après. Prends, prends. Échec. Il vient là. Non, je récupère pas la tour. Et si j'échange ici tout de suite pour. Ouais, ça c'est bien ça. Ok, plus de menace. Ok, après. On va déjà éviter les mats du couloir. Je pense que c'est pas très grave s'il prend des pions là. Ok. Comme défendre celui-là et attaquer ceux-là. Je joue beaucoup plus vite, j'ai deux fois moins de temps. Ce qui était bien là, c'est que je pouvais aussi mettre une tour. Qu'est-ce qui menace avec ce coup-là? Je sais pas trop. Il menace mon pion là. Est-ce que c'est embêtant? Un petit peu quand même. Je peux pas l'empêcher. Ok. Allez.
Ah mais mince, il peut le gagner mon pion là. Quoique. Il va faire ça. D'accord. Ah non, je crois qu'il avait abandonné ce pion, mais non, en fait, il abandonne celui-là plutôt. Ça devient un peu n'importe quoi. Faut que la dame continue à défendre ce pion-là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que là, il aille là. Après, je cherche des tactiques, mais j'en vois pas spécialement. Tu vas l'attaquer. Ah, j'ai des échecs là. Ah merde, j'aurais dû faire ça, c'était sûrement très très bien. Avec l'enclave, il était là, ça aurait été bien. La dame était mal placée. Ok, est-ce que je peux continuer directement? Ça, il menace rien. Tant qu'il arrive pas à mettre une tour là et une dame là, j'ai aucun problème. J'espère. Deux pions d'avance au final. Ouh la vache, il abandonne son roi ou quoi là? Si je viens là, il y a une menace de mat. C'est un coup que je pouvais pas jouer avant. Menace. Ah, merci pour la dame. Attends, je peux prendre la dame, mais je crois que là j'ai mat carrément. Échec, il est obligé de. Là il y a mat. Yes! Belle partie! Donc c'était un peu stressant cette position super ouverte et ma... la colonne H. Mais en fait c'était plus stressant pour lui que pour moi apparemment. Et je pense que je me suis un peu planté dans mon ouverture. Jusque là j'ai fait ce qu'il fallait. Et après... je me souviens qu'il y a une variante comme ça où il faut ouvrir, on peut ouvrir avant de roquer, mais c'était pas celle-là exactement. Et puis là, j'ai persisté à pas vouloir roquer tout de suite. Et alors ça c'était pas une mauvaise idée, d'accord. Par contre là, j'étais un peu sous pression quand même. Heureusement, il m'a laissé tranquille. Et donc là, j'ai fait une grosse erreur. Bah, j'ai donné une pièce, mais je voyais pas trop comment faire autrement parce que j'ai essayé de jouer ce genre de choses. Est-ce que ça change par rapport à ce qu'on vient de voir? Ah, ça change que le fou est plus défendu après C5. Ouais, c'est vrai que C5 est pas si facile à faire. Ok. Donc j'avais pas vu. Donc j'ai décidé de sacrifier une pièce contre au moins un pion là, et peut-être des chances d'attaque, mais
Évidemment, c'était faux. Et comme il n'a pas pris la pièce, bah, disons que j'ai eu comme un pion gratuit, quoi. Et à partir de là, j'avais l'avantage, essentiellement parce que j'avais un pion d'avance. Et puis après H5, son roi est super ouvert. Il continue à me laisser des pions. Je pense pas que mon pion A était trop un problème. Ah, c'est vrai que ça aurait été rigolo aussi. Parce que là, ouais, il pouvait quand même jouer H4. Et je pense que j'aurais été obligé de mettre mon cavalier en H1. J'ai préféré grignoter ce pion. Et donc là, ouais, j'ai regretté tout de suite après avoir joué. J'avais pas vu. Déjà, j'aurais pu poser des gros problèmes, apparemment. Ouh là là, ouais. Je pensais plus à pion ici, moi. Ah ouais, non, parce que je peux le prendre. Donc j'ai joué quand même ce coup, même si c'était moins puissant à ce moment-là. Puis après, j'avais des menaces multiples. Des problèmes sur son roi et des problèmes ici. Et lui menaçait vraiment rien du tout. À partir de là, c'était déjà fini. Surtout là, quand il donne la dame. Bon, j'avais prévu de prendre la dame, finalement j'ai vu le petit mat en deux coups pour conclure tout de suite. Ok. Belle partie malgré quelques problèmes dans l'ouverture. Je me suis rattrapé par la suite. À bientôt, salut!